Bonjour, chers apprenants. Je suis heureux de savoir que vous me recevez chez vous à travers vos écrans analogiques, digitaux et numériques. Nous poursuivons notre voyage de l'esprit, bien sûr, dans l'exploration du thème numéro 2, intitulé « Les rapports de l'homme avec le monde ». La séance précédente a donc inauguré la question de la distinction entre la conscience et le corps. Lorsqu'on parle des rapports entre la conscience et le corps, il y en a deux. D'une part, il y a la distinction à établir entre la conscience et le corps. D'autre part, l'union à établir entre ces deux entités, c'est-à-dire la conscience et le corps. Au niveau de la distinction, on observe deux sens. Distinction. Il y a deux sens. Le premier sens place la conscience supérieure au corps. Le second sens, c'est le corps qui devient supérieur à la conscience. Au niveau de la supériorité de la conscience sur le corps, dernièrement, deux philosophes ont été convoqués. Platon et René Descartes. La séance de ce jour portera sur la supériorité du corps sur l'âme. Et deux philosophes seront convoqués, à savoir Karl Marx et Nietzsche. À la fin donc de la leçon de ce jour, portant sur l'analyse des rapports entre la conscience et le corps, l'élève de la terminale doit être en mesure d'analyser tous les deux moments de la distinction entre la conscience et le corps à partir des connaissances acquises. Karl Marx et Nietzsche figurent parmi les philosophes qui ont donc instruit le procès de la conscience. Je récapitule. Karl Marx et Nietzsche figurent parmi les philosophes qui ont instruit le procès de la conscience. L'instruction du procès de la conscience. Qu'est-ce que cela veut dire? De Platon jusqu'à René Descartes, la conscience a été considérée comme étant la substance suprême même de l'homme, ou encore de l'être de l'homme. Et c'est là qu'on a remarqué et qu'on a compris dernièrement, avec Platon et René Descartes, c'est la conscience ou l'âme qui est supérieure à la conscience. Mais au fur et à mesure que la réflexion philosophique a progressé à propos du rapport à établir entre la conscience et le corps, certains philosophes ont donc inversé les choses en plaçant le corps au-dessus de la conscience. C'est là que l'on parle de l'instruction du procès de la conscience. L'instruction du procès de la
conscience. Qu'en est-il de Karl Marx? Karl Marx est un philosophe allemand. Karl Marx est un philosophe allemand né en 1818 et mort en 1883. Et il est ce philosophe qui a affirmé la nécessité de dépasser la philosophie théorique pour que la réflexion philosophique devienne fondamentalement pratique. Vous l'avez appris en première, lorsqu'il dit que les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de diverses manières. Ce qui importe, c'est de le transformer. Il vient donc renverser le sens de la pratique philosophique. Et cela se poursuit dans le rapport qu'il vient établir entre la conscience et le corps. Et pour lui, la conscience, plutôt le corps, est supérieur à la conscience. Pourquoi pense-t-il et affirme-t-il que le corps est supérieur à la conscience? Il avance un certain nombre d'arguments. Premièrement, selon Karl Marx, bien sûr, la conscience est le résultat de l'action du corps, sur la matière. La conscience est le résultat de l'action du corps sur la matière. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, lorsque le corps agit sur la matière, c'est à l'issue donc de cette action que la conscience devient évidente. Donc au départ, avant que le corps n'agisse sur la matière, pour Karl Marx, la conscience n'est pas évidente, comme l'ont supposé Platon et René Descartes. Et c'est donc en fonction du corps qui transforme la nature que la conscience devient évidente. Donc, lorsque le corps agit sur la matière, en fait, il transforme la nature. Et lorsque la nature se transforme, ipso facto, la conscience, elle aussi, devient évidente. Et ce qui conditionne même la transformation de l'homme. Et voilà pourquoi, il déclare ce qui suit. Ce n'est pas la conscience des hommes. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence. C'est au contraire
leur existence sociale. Leur existence sociale qui détermine leur conscience. Vous retrouverez cette déclaration dans son ouvrage intitulé « Critique de l'économie politique ». Critique de l'économie politique. Chers apprenants, acceptez que je puisse détailler les références. Acceptez que je puisse détailler les références. C'est pour vous donner la possibilité de vérifier les informations que je vous apporte de l'économie politique. Donc, c'est la traduction de Rubel et Évrard . Donc, cette traduction française est publiée à Paris aux éditions Gallimard. En 1965, et vous trouverez cette citation à la page 273. Page 273. Je vais donc souligner le titre de l'ouvrage. Faites autant, même dans vos devoirs. Critique de l'économie politique. Revenons à la citation. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence. C'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience. Le terme clé dans cette déclaration, c'est l'existence sociale. L'existence sociale. Qu'est-ce que l'existence sociale? L'existence sociale ici, selon Karl Marx bien sûr, est à prendre comme étant ce contexte dans lequel les individus entrent en rapport d'échange de biens matériels. Or, ces biens matériels sont issus de l'action du corps sur la matière. Autrement dit, de la transformation de la nature faite par l'entremise du corps. Et de cette transformation, nous tirons des biens matériels. Et dans la société, nous aurons à nous échanger ces biens. Je donne un exemple. Le menuisier qui fabrique un meuble, il a transformé un élément de la nature qui est l'arbre. Il est menuisier, c'est vrai, mais il aura aussi besoin des services d'un médecin.
Sur le plan social, il y aura échange des productions. Lui, il apportera son expertise de menuisier. Le médecin apportera son expertise de médecin. Pareil avec l'enseignant, ainsi de suite. Voilà ce qu'il faut comprendre comme étant l'existence sociale. Ce contexte de rapport de production entre les individus, production des biens matériels. Alors, c'est pour dire que ce n'est pas la conscience. Donc, ce ne sont ni les idées claires et distinctes, ni la substance pensante qui sont à mettre au centre de l'action sociale. C'est plutôt le corps qui va agir sur la matière. Et il poursuit. Donc, à la lumière de cette déclaration, Karl Marx fait du corps un facteur déterminant social. Corps, facteur déterminant social. Si nous faisons bien attention, ici Karl Marx est en train de remettre en cause la notion de substance de l'âme qu'évoquait Descartes. Je connus de là que j'étais une substance dont toutes les sens ou la nature n'est que de penser et qui pour être n'a besoin d'aucun corps, ni d'un lieu, ni d'aucune chose matérielle. Mais ici, on s'aperçoit que le corps est nécessaire à l'évidence même du sujet. Bien. Alors, dès lors que le corps est un facteur déterminant social, il subordonne la conscience. Nous parlons donc de la subordination de la conscience par le corps. La subordination de la conscience au corps. Lorsqu'on parle de conscience, il s'agit de l'âme, la conscience, la pensée, la raison. Ces termes renvoient à l'âme, donc la dimension immatérielle de l'homme. Alors, nous parlons de la subordination de la conscience au corps. Nous sommes avec Karl Marx. Dès lors que la conscience est subordonnée au corps, elle perd donc sa souveraineté. Donc, la subordination de la conscience au corps induit la perte de la souveraineté de la conscience. Et cette perte de souveraineté de la conscience conditionne, dans la tradition philosophique, le passage de l'idéalisme
au matérialisme. Passage de l'idéalisme au matérialisme. La conscience subordonnée au corps perd sa souveraineté. Et cette perte de souveraineté, dans la tradition philosophique, conditionne le passage de l'idéalisme au matérialisme. C'est-à-dire, toutes les théories à propos de la conscience évoquées par Platon, René Descartes, Blaise Pascal, sont remises en cause. Et l'on vient prôner la suprématie du corps qui agit sur la matière en transformant la nature. Et là, nous avons laissé l'idéalisme pour le matérialisme. Bien. Et Friedrich Engels vient illustrer cette perte de souveraineté de la conscience. Il déclare ce qui suit. Donc Friedrich Engels. Friedrich Engels. Il déclare ce qui suit. Notre conscience et notre pensée si transcendantes qu'elles nous paraissent si transcendantes qu'elles nous paraissent, si transcendantes qu'elles nous paraissent. Notre conscience et notre pensée je l'ai fait pour tester votre vigilance. J'espère que vous avez réagi là-bas. C'est très bien. Notre conscience et notre pensée si transcendante qu'elles nous paraissent, si transcendantes qu'elles nous paraissent, ne sont que sans que les produits d'un organe matériel. Les produits d'un organe matériel corporel virgule
le cerveau. Le cerveau. Notre conscience et notre pensée, si transcendantes qu'elles nous paraissent, ne sont que les produits d'un organe matériel, corporel, le cerveau. Le cerveau est la partie motrice du corps. L'action donc du corps sur la matière part du cerveau. Et c'est dans cette action que la conscience, tout comme la pensée, sont produites. Donc, par rapport à cette affirmation de Friedrich Engels, la conscience, la pensée, ou encore la dimension immatérielle de l'homme est le résultat de la dimension corporelle, dont la partie motrice est le cerveau. Nous déduisons que le corps est supérieur à la conscience, parce que celle-ci est le produit de la partie motrice du corps qu'on appelle le cerveau. Et Friedrich Engels le dit dans son ouvrage intitulé Ludwig Feuerbach. Ludwig Feuerbach. Et la fin de la philosophie classique allemande. Et la fin de la philosophie classique allemande. L'ouvrage est édité à Moscou aux éditions du Progrès. Édition du Progrès. En 1974. Et la citation se trouve à la page 30 de cette édition, bien sûr. Et nous soulignons le titre de l'ouvrage. Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande. Même le titre est évocateur. Tout ce qui est classique a placé la conscience ou l'âme au-dessus du corps. Or, ce qui dépasse le classicisme vient renverser tout ce qui est classique. Donc, c'est à juste titre que Friedrich Engels a donné cette affirmation, selon laquelle la conscience et la pensée, même si elles paraissent abstraites, transcendantes, résultent de l'action du cerveau. Bien. Notre conscience et notre pensée, si transcendantes qu'elles nous paraissent, Il ne dit pas si transcendantes qu'elles sont. Attention, les verbes sont évocateurs. La conscience et la pensée ne sont pas transcendantes, mais elles paraissent transcendantes. Donc, à bien voir, si l'on va plus loin, la nature
immatérielle de la conscience, de la pensée ou de l'âme supposée par la philosophie classique est une illusion. Alors, à la lumière de cette affirmation de Ludwig Feuerbach, il faut dire que l'émergence de la conscience est conditionnée par l'action du cerveau. Pour qu'il y ait conscience, faudrait qu'au préalable, qu'il y ait le travail du cerveau. Tout à l'heure, je venais de dire que le cerveau est la partie motrice du corps. Bien. Par conséquent, la conscience devient le fruit de la praxis. Conscience, deux points, fruit de la praxis. La praxis est différente de la théoria. La praxis renvoie à la pratique. Et dans le contexte de notre cours, la praxis renvoie à l'action du corps sur la nature. L'action transformatrice de la nature ou la matière par le corps. Que peut-on retenir de la position de Karl Marx à propos de la supériorité du corps sur l'âme ou la conscience? Bien, ce que l'on peut retenir, c'est que chez Karl Marx, la conscience résulte de l'action du corps sur la matière, premièrement. Et suivant cette action du corps sur la matière, on déduit que la conscience, donc l'évidence de la conscience, est conditionnée par la production des biens matériels, l'existence sociale. C'est pour autant dire que dans leur rapport de distinction, le corps est supérieur à la conscience. Voilà ce que l'on peut retenir de la supériorité du corps sur l'âme ou sur la conscience, selon Karl Marx. Qu'en est-il de Nietzsche? Au début, j'ai dit que Karl Marx et Nietzsche ont instruit ou figurent parmi les philosophes ayant instruit le procès de la conscience. Bien. Friedrich Wilhelm Nietzsche est un philosophe allemand. En allemand, c'est Friedrich. En français, c'est Frédéric. Friedrich Friedrich Wilhelm Friedrich Wilhelm Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche est un philosophe allemand né en 1844 et mort en 1900.
né en 1844 et mort en 1900. D'où part la participation? D'où part la participation de Friedrich Wilhelm Nietzsche à l'instruction du procès de la conscience? Bien, la participation Friedrich Wilhelm Nietzsche de ce philosophe allemand à l'instruction du procès de la conscience part de la critique qu'il adresse à la métaphysique et à la religion. Donc, nous disons, Nietzsche critique la métaphysique traditionnelle et la religion. Il reproche à la métaphysique et à la religion d'avoir imaginé un monde supraterrestre. Donc, d'après Nietzsche, la métaphysique et la religion ont eu tort d'inventer le monde supraterrestre. Donc, il critique l'invention du monde supraterrestre, c'est ce monde que l'on place au-delà du monde apparent. Donc, il vient donc critiquer cette invention. Pour Nietzsche, si les métaphysiciens et les théologiens ont inventé ce monde, c'est parce qu'ils se sont sentis incapables et impuissants pour affronter les problèmes de l'existence terrestre. Voilà la critique qu'il adresse donc à la métaphysique traditionnelle et à la théologie. Partant donc de cette critique, eh bien, il va donc mépriser la conscience. Le mépris de la conscience. Le mépris de la conscience. En méprisant la conscience, tout comme Karl Marx, qui a critiqué, qui a remis en crise la souveraineté de la conscience, Nietzsche fait autant. Mais il va encore plus loin, il est vraiment sévère. Que dit-il? C'est que ce mépris de la conscience vient renverser ce rapport vertical qu'il y a entre la conscience et le corps. Chez les métaphysiciens classiques, tout comme chez les théologiens,
C'est la conscience qui se plaçait au-dessus du corps. Nietzsche, tout comme l'a fait Karl Marx, il dit non, il faut renverser ce rapport vertical. Au lieu que ce soit la conscience qui soit supérieure au corps, c'est plutôt le corps qui est supérieur à la conscience. Dès lors que l'on place le corps au-dessus de la conscience, eh bien, la conscience est exclue du lieu central ou de la place centrale dans laquelle la métaphysique l'avait longtemps placée. Donc Nietzsche vient donc expulser la conscience de cette partie valeureuse qui lui fut longtemps attribuée. En faisant cela, la conscience perd ou encore est dépouillée, donc dépouillement de la conscience de son statut de substance. De son statut de substance. Dès lors que la conscience est dépouillée de son statut de substance, elle perd donc son autonomie, sa souveraineté. Elle n'est plus une chose en soi. Voilà ce que Nietzsche vient faire. Et en dépouillant donc la conscience de son statut, il vient donc l'instrumentaliser. Donc, le dépouillement de la conscience de son statut de substance conduit ou suscite l'instrumentalisation de la conscience. Puisqu'elle n'est plus une substance, elle devient un instrument de la conscience. Le mépris de la conscience se traduit par le renversement du sens du rapport vertical qui, au départ, plaçait la conscience ou l'âme au-dessus et le corps en dessous. Mais par ce renversement, le corps passe au-dessus et la conscience en dessous. Et nous avons noté que la conscience n'est plus une substance, elle devient un instrument. Et Nietzsche déclare ce qui suit. Quiconque s'est fait du corps une représentation tant soit peu exacte
tant soit peu. Exact. Jugera que toute espèce de conscience que toute espèce de conscience est pauvre et étroite en comparaison. Quiconque s'est fait du corps une représentation tant soit peu exacte jugera que toute espèce de conscience est pauvre et étroite en comparaison. Il l'affirme dans son ouvrage intitulé « La volonté de puissance ». L'auteur, c'est Friedrich Wilhelm Nietzsche, et l'ouvrage est intitulé « La volonté de puissance ». Bien, ce passage... Donc, cette référence que je viens d'écrire au tableau, c'est la déclaration de Nietzsche. Mais nous l'avons prise dans l'ouvrage de Jacqueline Urus intitulé « Les chemins de la pensée ». Donc, nous marquons la volonté de puissance citée par Jacqueline Urus. Cité par Jacqueline Urus dans Les chemins de la pensée, les chemins de la pensée. Publié à Paris, aux éditions Armand Collin, en 1996, et cette citation de Nietzsche, vous la retrouverez à la page 357. Page 357. La volonté de puissance. Cité par Jacqueline Urus, donc Les chemins de la pensée.
Ce n'est pas la volonté de puissance qui est citée, c'est l'ouvrage, c'est l'auteur qui est cité. Quiconque s'est fait de la conscience, quiconque s'est fait du corps une représentation tant soit peu exacte, jugera que toute espèce de conscience est pauvre et étroite en comparaison. Alors, pour Nietzsche, par rapport au corps, la conscience est pauvre et étroite, limitée. Il n'y a rien que l'on puisse retrouver d'aussi valeureux dans la conscience que l'on retrouve dans le corps. Et dire cela, en disant cela, Nietzsche considère la conscience comme étant un organe mal développé du système psychique humain. Donc, la conscience, selon Nietzsche, est un organe, donc organe mal développé du système psychique humain. Dire que la conscience est pauvre et étroite en comparaison, c'est dire qu'elle est un organe mal développé du système psychique. Dès lors que la conscience est un organe mal développé du système psychique, elle est donc reléguée au second plan ou au second rang. La conscience est au second rang par rapport à la conscience. Or, à la conscience, par rapport et au second rang, par rapport à la conscience. Hein, le second. Au second rang par rapport à la conscience. La conscience est au second rang par rapport au corps. C'est un lapsus de ma part. Je suis tellement amoureux de la conscience. La conscience est au second rang par rapport au corps. On se détache difficilement de ce que l'on aime. Bien, ce n'était qu'une parenthèse. Nous continuons. Alors, on a relégué la conscience au second rang par rapport au corps. Elle a été rabaissée au niveau d'un instrument. Et Nietzsche ajoute ce qui suit. Donc, je vous donne la dernière citation et après, vous aurez un sujet de réflexion.
Il déclare ce qui suit. C'est que la conscience n'est qu'un instrument. C'est que la conscience n'est qu'un instrument. Vous voyez, ce qui était substance devient instrument. N'est qu'un instrument. Point virgule. Elle n'est. Restriction. Elle n'est. Parmi les instruments. Parmi les instruments. Elle n'est parmi les instruments ni le plus nécessaire. Ni le plus nécessaire. Ni le plus admirable. Ni le plus admirable. Point de suspension. Je referme les guillemets. Ici, j'ai mis le point de suspension entre parenthèses. Ça signifie qu'on a eu à sauter plusieurs propositions. Mais l'essentiel de la pensée est bien là. C'est que la conscience n'est qu'un instrument. Elle n'est parmi les instruments ni le plus nécessaire, ni le plus admirable. Donc, à bien voir, on rabaisse vraiment. Donc, c'est vraiment le mépris même de la conscience. La conscience est vraiment méprisée. Non seulement qu'on l'a relégué au second plan, mais pire encore, on suppose qu'il y a d'autres instruments qui lui sont supérieurs. Donc c'est vraiment le mépris de la conscience. Il y a donc perte du statut de substance. Alors, pour terminer, il faut noter que chez Nietzsche, la conscience est superflue. Elle est superflue. Elle n'a pas de fondement. La preuve, elle ne couvre pas toutes les profondeurs du système psychique. Et c'est là qu'il va même ajouter que tous les états de conscience ne sont que des illusions. Et certains commentateurs ont dit que chez Nietzsche, le miroir de la conscience est potentiellement inutile. Inutile. Voilà. Donc, toutes les représentations de la conscience ne sont que des illusions à bien voir. La conscience ne fait que refléter ce qui lui est extérieur. Ce qui fait que la conscience soit aussi superflue. Un organe mal développé du système psychique. D'où il est important de renverser cette hiérarchie, ce rapport vertical. Hein, il reste vertical, mais il faut donc le renverser.
Et ce renversement, nous allons terminer par là. Nietzsche l'exprime de la manière suivante. Il nous faut donc renverser la hiérarchie. Il nous faut. Il nous faut donc renverser la hiérarchie. Hiérarchie. Deux points. Tout le conscient, tout le conscient, dans son texte, il met conscient entre guillemets, je fais autant, tout le conscient est d'importance secondaire. Est d'importance secondaire. Et d'importance secondaire. Vous retrouverez cette citation dans le même ouvrage, La volonté de puissance. La volonté de puissance. Les références restent les mêmes. Maintenant, celle-ci, c'est que la conscience, c'est toujours dans la volonté de puissance. Donc, toutes les trois citations que nous venons d'explorer, vous les retrouverez dans la volonté de puissance. Alors, que faut-il retenir du rapport vertical à établir entre le corps et la conscience, c'est-à-dire la supériorité du corps sur l'âme ou la conscience chez Nietzsche, c'est que premièrement, la conscience est à mépriser. Le mépris de la conscience. Pourquoi ? Parce que c'est un organe mal développé du système psychique humain. Par conséquent, il faut donc la considérer comme étant un instrument. Dès lors que la conscience est considérée comme un instrument, elle perd son statut de substance. Ainsi, il faut renverser cette hiérarchie. Si au départ, avec Platon et René Descartes, c'est la conscience qui était supérieure au corps, chez Nietzsche, tout comme chez Marx qui le précède, c'est le corps qui est supérieur à la conscience. Alors, chers apprenants, pour bien comprendre cette partie, vous pouvez vous imaginer une scène de théâtre. Donc, d'une part, vous avez deux metteurs en scène, Platon et Descartes, qui prônent la suprématie de la conscience sur le corps. Et d'autre part, vous avez Karl Marx et Nietzsche qui, par contre, prônent la suprématie du corps sur la conscience. Donc, essayez de vous imaginer une scène pareille. Même pendant que vous serez en train de faire votre dissertation, avant d'écrire, imaginez-vous une scène qui est jouée entre ces quatre philosophes. Donc, au lieu que l'on dise le parlement du rire, mais le parlement du philosopher sur le rapport corps-conscience. Donc, nous venons d'explorer les deux moments du rapport de distinction à établir entre la conscience et le corps. Dans ce rapport de distinction, d'une part, il a été affirmé par Platon et René Descartes que c'est la conscience ou l'âme qui est supérieure au corps. D'autre part, par contre, il a été affirmé autrement par Marx et Nietzsche,
que c'est le corps qui est supérieur à la conscience. Voilà donc ce que l'on a à retenir du rapport de distinction à établir entre la conscience et le corps. Mais à côté de ce rapport de distinction, il y en a un autre qu'on appelle le rapport d'unité. Donc, pour terminer, je vous donne ce sujet suivant. Sujet. Le corps a-t-il de l'ascendant sur la conscience? Point d'interrogation. Voilà, c'est votre dessert. Parce qu'il n'y a pas de repas sans dessert. Le repas a été l'exposé du professeur et le dessert, c'est donc le sujet que vous allez traiter. Donc faites recours à cette scénette que je vous ai proposée, une pièce de théâtre entre ces différents philosophes. Nous nous arrêtons par là pour aujourd'hui et nous vous souhaitons une bonne préparation à votre examen. À la prochaine.